bonjour à tous et bienvenue sur le live du jour. Donc, samedi 6, samedi 6 novembre. Deuxième live, des lives en folie. Donc, les lives programmés pour tout le week-end. Bienvenue à tous. Donc, je vais vous laisser juste un petit peu de temps, le temps que vous vous connectiez pour ceux qui arrivent en direct. Sinon, merci à ceux qui nous regardent en replay. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à notre page. On fait des lives toutes les semaines, plusieurs lives par semaine, bien souvent d'ailleurs, où on explique des techniques, on présente des produits, on fait de la démonstration, des idées déco, des astuces, tout ça. Donc, bienvenue sur la chaîne IBDECO. IBDECO située dans le nord de la France, à 30 minutes de Lille. Donc, nous sommes une société avec un magasin physique, on va dire. Un magasin où vous pouvez venir nous rencontrer et faire vos achats et demander conseil, bien évidemment. Et après, nous avons aussi la boutique en ligne, donc ibdeco.com, où là, vous retrouvez, on va dire, 95% des produits que nous avons en magasin. Cela dit, les 5% qui sont en magasin, il faut les chercher, mettre la main dessus. Hein. Même nous, on ne sait plus. C'est ça, en gros? Ouais. Voilà. Donc, bienvenue. Je suppose qu'il y a déjà, du monde avec nous. Tout à fait. Alors, hop, il y a Gaëlle qui est là, Dédette, Fred qui nous fait un petit coucou tout en bossant. Coucou, Fred. Evelyne, Audrey, Véro, Stéphanie, en direct avec vous ce matin. Trop contente de vous retrouver. Il y a Angéline. Angéline, comment tu fais pour être là à 10h alors que tu étais là à 3h du matin? T'es pas maquillée tout seul, dis-moi. Non, les cordons sont pieux, je suis sûre. Encore en pyjama. Il y a Wasalaya qui est là, il y a Sandrine. Comment ça va les filles? La pêche, mais pas pour longtemps. Coucou Nini. On cache les poches là. Sandrine dit que tu es toute belle. Il y a Wilfried qui est là. Je fais un effort, hein, j'avoue. Je vous raconte, je me suis démaquillée que ce matin. Non mais moi aussi. Je suis allée me coucher. En fait, j'ai regardé le replay hier soir. Et j'y ai pensé. Et je me suis endormie dessus. Je vais mettre du maquillage, des paillettes sur mes têtes d'oreiller. J'ai plus qu'à changer mes draps. Ouais, mais tant pis. Monique est là. Evelyne en direct de mon lit avec un café. C'est cool. Profite, ma belle, profite. Patricia, Christine, Mélanie, Valérie qui nous fait un bonjour du Finistère Sud. Donc, le 29. Vous voyez que je suis bonne en géo. Il y a Chris, Mélan, Marielle. Parce que j'y suis déjà. Vous avez eu le temps de dormir, ouais, un petit peu quand même, heureusement. Hein. Ouais, oui. Ouais. Ça va. Enfin, moi, réveillée un peu tôt. Enfin, moi, couché un peu tard. J'espérais être réveillée par la sonnerie du réveil, mais non. C'est souvent moi qui réveille le réveil. Ouais. Alors, il y a Bénédicte qui nous fait un petit coucou, mais pas longtemps. Je suis en voiture, je ne conduis pas. Entre parenthèses, la précision, c'est bien. C'est bien, faut pas faire ce que je fais moi. Vilaine. Vilaine, oui. Ah, super, les cœurs fonctionnent, nous dit Stéphanie. Bon, ben c'est bien. Bon, ben Charlotte, tu viens faire un petit coucou ou pas? Non, elle est déjà partie, elle a oublié un truc. Elle est juste partie se remettre en place, les cheveux, les maquillages. Coucou tout le monde. Non, mes cheveux ne sont pas encore secs, j'ai pris la douche il n'y a pas super longtemps. Donc bonjour tout le monde, premier live de la journée comme Isabelle. Et est-ce que vous remarquez que j'ai mis des talons? Comme ça peut-être. Non mais c'est... Ouais, ouais. Bah dis, j'ai quand même mis... Ouais, imaginez avec des talons. On les voit pas. Je suis à plat. C'est dur. Je suis pas si souple. T'es plus souple. Non. On est coordonnés, hein. Non, ouais. Donc voilà, premier live de la journée. Ça commence à filer, ça. Ici, un film avec des militaires où le capitaine ou le je sais pas quoi, il veut que ses petits soldats soient le même couleur de t-shirt. Puis en fait, quand il faut qu'il demande à la dame qu'il repasse les t-shirts, il trouve le truc. Bon, si, rien, ils vont peut-être si vous voyez de quel film je parle, allez-y. Bon, avec donc Clint Eastwood, il me semble. Tu connais Clint Eastwood? Yes. Pas beaucoup, mais lui, je donc, premier live de la journée aujourd'hui. Ce matin, on va donc parler résine, histoire de faire des petits cadeaux personnalisés. Voilà. Donc, Live tranquillou pour le matin. Pour le matin, pour bien démarrer. Donc, celui-ci, on en aura encore trois dans la journée. Donc, là, on est celui de 10h, après 14h. Tu es belle, Charlotte, avec tes cheveux lâchés. Voilà. Merci, Christine. Il faut qu'elle lâche que les cheveux, hein. Et les chevaux, ça serait bien.
Non, mais ouais, je ne peux pas les laisser trop détachés parce que pour travailler, c'est pas. Merci Sandrine. Bon, de vraies panthères. Allez, on y va. Donc, pour le deuxième live, des lives en folie, puisqu'il y en a 8 sur le week-end, elle passe mon truc. Donc, pour le deuxième live des lives en folie du week-end, c'est parti. Hop, voilà. Donc, quand vous avez pu le voir, attendez, je vais essayer de me décaler un poil, sinon je vais devoir travailler de trop. Hop. Voilà. Eh bien. Je vais faire en fonction. Tu cherches. Voilà. Donc, on a rentré des nouveaux moules, des moules spécialement conçus pour la résine époxy, dont celui-ci. Je l'ai déjà utilisé comme une petite cochonnerie. Donc, voilà, c'est un moule où vous avez toutes les lettres plus tous les chiffres. Comme vous le voyez, donc, c'est l'inverse. Donc, combien il y a de lettres dans l'alphabet? Est-ce que vous le savez? C'est pas compliqué. Hein? 24? 26? 26? Non plus, je ne sais plus. Donc, 26. Plus 24, 9. C'est, 24, c'est le nombre des cases du calendrier de l'Avent. Faut pas qu'on se trompe. Plus 10 chiffres. Voilà, c'est ça. Donc, puisque la 26, la différence, vous savez quelle est la différence entre un chiffre et un nombre? Un nombre est composé de deux chiffres. Ouais, voilà, un nombre est constitué de plusieurs chiffres. Non, mais des fois, c'est, on ne sait pas, voilà. Ouais, ce petit truc. Donc, le moule, comme vous le voyez, les lettres 36. Sont à l'envers. Ça, c'est le nombre dedans. Non, on n'a pas 36. 32, c'est pas 32, là. 36 chandelles. Ça, c'est une expression. Ah, 36 chandelles, ouais, mais bon, ça, c'est autre chose. C'est le soir quand je vois mon chéri. Le moule est à l'envers. J'ai encore des petites gouttes de résine. Voilà, le moule est à l'envers, c'est normal. Comme ça, quand vous allez démouler votre lettre, vous êtes sûr, alors votre lettre ou votre chiffre, vous êtes sûr que le bon côté sera bien lisse, bien plat, tout nickel. Donc, moi, j'en ai fait déjà ici quelques-unes de lettres. J'ai fait des petits tests pour vous montrer aussi, pour que je sache ce qu'il faut que je vous dise à faire et à ne pas faire. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Donc, voilà. Celui-ci, c'est mon préféré, d'ailleurs. C'est pas un net. Que j'ai fait pour Léna. Voilà. Donc, vous voyez, par transparence, il y a de la transparence. S'il y a des petits copeaux... Tout le monde est au taquet pour les questions bonus. Il y a des petits copeaux dorés, j'ai mis des petites fleurs séchées. Ça dépend de l'âge, les dents. J'ai fait celui-ci également. Voyez, celui-là, c'est copeaux, pour Monique. C'est ça, copeaux dorés, des petites fleurs. Quelques paillettes également, j'ai mis quelques paillettes roses. Et là, un blanc un peu laiteux, dans lequel on voit quand même apparaître les feuilles de métal. Voilà. Mais vous voyez, de ce côté-là, c'est un peu plus joli. Je vous expliquerai pourquoi. C'est un peu plus joli, mais il faudrait que je vienne rajouter une petite couche de résine transparente, parce que quand ça sèche, ce qui est tout à fait normal, c'est pas que ça se rétracte, hein, mais ça fait une légère cuvette. C'était pour rire, hein, Monique, c'est pas pour toi. Hein. Allez, merci, tout ce que j'aime du doré et du rose. Mais si, on va te dire, on l'a vu. Bon, quand on l'a démoulé, on a dit, on va le donner à Monique. Il y a le rose, je vais faire du rose, je vais faire un exprès pour toi. Donc voilà, il y a une petite cuvette pour bien, on vient rajouter un peu de résine, mais ça, je vais vous expliquer. Donc ça peut être des... Hein, des tout avec des... On des voit pas, hein, quand métal. J'ai l'impression qu'il fait le réglage quand tu t'envoies, pas quand tu reviens. Ouais, voilà. C'est bien, c'est bon là. Donc voilà. Celui-là, c'est pour Roger. Régine. Ah, Régine, bien. Rosalie. Là, un petit F et celui-ci. Pour pareil. Florentine. Petite erreur que j'ai faite, mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi. C'est bien d'ailleurs que tu fasses avant, parce qu'au moins tu sais ce qu'il ne faut pas faire. C'est plus joli de ce côté-là, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ici, c'est un peu trop opaque de paillettes, parce qu'en fait, en première couche. Mais tu l'expliqueras après. Ouais, je suis venue couler des paillettes. Mais voilà, je vais bien vous expliquer. Voilà, un petit S en paillettes et en blanc. Mais tu les fais voir de loin, du coup, on ne les voit pas. Eh ben, je vais zoomer pour ne pas avoir besoin de faire la mise au point. Attendez, je fais la mise au point. Voilà. Je n'aurais pas besoin de faire la mise au point à chaque fois. Le dé, pareil, petite erreur. Je vous expliquerai pourquoi. De l'autre côté, j'aimais bien le côté un peu laiteux. J'ai fait un petit dé. Celui-là comme Baudrin. C'est ça. C'est pour moi, celui-là. Celui-ci, un peu plus bas. Un mélange de doré. Plus bas, vers toi, oui. Ouais, c'est pas plus bas. Bah, plus vers toi. Plus bas, c'est comme ça. D'accord. Un A
Pareil, je préfère. Mais je, voilà, moi j'ai fait des. Ah, il y a Hello qui est là. Hello, bonjour. Et je sais pourquoi ça. Alors j'ai fait. Elle n'a pas fait de RF pas. Hein. Bah si, j'en ai fait. Trop. Voilà. Trop. Elle... Plus vers toi. Faut que tu sois sur la ligne de chiffres. Voilà. Ah non, maintenant, ouais. Voilà, le N doré et blanc. J'aime beaucoup cette association du doré et enfin des feuilles de métal dans de la résine transparente. Avec le blanc. Il faut mettre des paillettes dans notre vie. Ouais. Et ensuite, alors... Charlotte, elle en avale des paillettes. Je ne vous dis pas le résultat. Je pète des paillettes. Là, j'ai dans un reste, il me restait de la résine noire. Je suis venue mettre plein de... Oui, Mélane, elle dit... non, pas Mélane. Je ne sais plus qui. Christine, waouh, le A, tu vois. Pour faire très joli restes, le E, Mélane. Pour faire les restes, parce que j'avais trop de résine et il fallait bien que je l'use. Donc, comme j'ai... Voilà, mais pas j'ai trop. Juste met, mais un peu j'ai juste mis toi. Un peu de doré... Tu peux dézoomer ? Voilà. Bien. L'éclairage, ça va, c'est assez... C'est bien. Donc voilà, là, j'ai juste rajouté des paillettes dorées dans mon noir pour finir ma Je suis ma même résine. Étonnée que l'éclairage soit bon, alors que c'est des trucs brillants. Ah, c'est des petits régal. Le V, par exemple, j'aime beaucoup, c'est dans le même principe. Ah, j'adore mon le V, ouais, en noir. Voilà. J'adore. C'est le même pour principe. Véronique. Vous voyez, il y a, voilà, il y a des petits... Mais on va refaire quelques petites choses et je vais vous expliquer en même temps. Donc tout ça, hop. Tu t'es pris pour une licorne, elle demande Isabelle. Bien évidemment, elle pète des paillettes. Je suis une licorne. Hop. Voilà, et celui-ci, vraiment, je suis très contente, je l'aime bien. Léna adore le bleu. Je pense que ça va lui plaire, le bleu avec le doré. Donc, dans, oh, j'ai oublié le petit G. Dans le kit, vous avez le moule, mais vous avez également plein d'accessoires. Donc, en tout, on a 224 pièces. Tu peux peut-être mettre la photo de ce que représente 224 pièces. Avec les dimensions ? Oui. Donc, vous avez 10 accroches, il me semble, de chaque couleur pour le porte-clés. On a 50 anneaux de chaque couleur également pour attacher les porte-clés. Les petits pitons. On voit pas, il y a l'image au milieu, alors mets-toi bien à gauche. Ah, ce qui est ouvert. Les petits pitons à vis également pour créer vos porte-clés. Le petit, comment ça s'appelle ? Je vais enlever la photo. Comment ça s'appelle ça ? Ouais, une... J'ai pas le temps de les... Ouais, enfin pas une vérole. Hein. Ouais. Ouais, un truc avec une mèche. Et vous avez deux mèches plus le... L'outil. L'outil. Et ce que j'adore dans ces outils-là, c'est qu'on prend ici à pluie, mais ça, ça tourne. Donc, vous pouvez le maintenir... Mais tourner, tu sais pas comme un tournevis où tu es obligé de... Ça, c'est bien pratique. Allez, on va commencer. Donc, forcément, pour faire mes petites lettres, j'ai besoin... Et le plastique, il est là. J'ai besoin de résine époxy. Donc, moi, je me suis pris un très grand conditionnement. Pour la petite info, pour faire toutes les lettres que j'ai faites ici, et encore, il me restait un peu de résine que j'ai utilisée ailleurs, ça me paraît sombre, moi. C'est pas sombre chez toi ? C'est noir. Je sais pas. Ouais, c'est sombre. J'ai utilisé 160 grammes de résine. J'ai fait tout ce que tu as fait. J'ai fait voilà. Combien de lettres ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait bah, 10 grammes. Même pas parce que j'en ai utilisé ailleurs. Donc, à peine 10 grammes de résine par lettre. Comme ça, vous le savez. Ça peut combien dans le, de pièces dans le lot 244. Non, 224. Pardon, 224. Mon petit flac, mon petit plat. Avez-vous bien dormi ? Oui, mais pas assez. Pas assez, mais bien. Voilà, donc, faut-il mettre un masque pour travailler toujours, la résine ? Masque et gants. D'ailleurs, je ne les ai pas pris. Ah, je ne les ai pas préparés. Tu peux m'en donner, Nathalie, s'il te plaît. Donc, toujours une protection respiratoire et des gants. Ce n'est pas parce que la résine ne sent pas qu'elle n'est pas toxique. Donc, c'est normal, là, c'est de la résine. Il y a une réaction chimique. Vous vous protégez, bien évidemment, donc les voies respiratoires et les mains. Tu en as besoin après, Sacha ? Oui, après, tout à l'heure. Non, c'est pour savoir si je mets un scotch ou pas. Donc, je ne vais pas refaire, moi, 160 grammes de résine. Clairement, je n'en ai pas besoin d'autant.
Donc, quand tu parles de 160 grammes, c'est… Je vais expliquer. D'accord. Donc, le ratio pour la résine, c'est 100 du composant A pour 60% du composant B. C'est-à-dire que vous mettez ici 50, ici, vous ne mettez que 30 à chaque fois. Vous multipliez par 0,6. C'est ça. Vous, la quantité que vous prenez du composant A, vous multipliez par 0,6 et vous avez la contenance de B que vous le devez poids. Mettre dedans. Le, en poids et non pas en millilitres. C'est ça, en volume. Donc, ici, on va faire… j'ai fait combien? 160, c'était beaucoup trop. 50 et 30, hein, je vais faire. On va faire la moitié. Et des fringues, oui, après, quand on bricole, il faut toujours se protéger, mettre évidemment. Un tablier. Charlotte devrait d'ailleurs en mettre un. C'est vrai. Non, le bleu, il tombe. Attends, j'ai fait un nœud hier. Hop. Donc, j'ai ma balance de cuisine. C'est pas une balance super précise, mais il y en a bien assez. Je vais donc mettre 50 grammes du composant A. Oh, ben j'ai mis 54. Tiens, si tu veux bien, comme hier. Donc 54, je vais faire le ratio. Je pense que ça doit faire un tout dans genre 31. Oh, ça va faire un truc du genre 31. Et ça fait 31. 54 fois 0,6. Oh, 32. Oh mince. Coucou Sylvia. Elle est au taquet, Sylvia. T'as rien à faire dans ton magasin? Si à mon avis qu'elle bosse en même temps qu'elle fait ses petits meubles. Tu travailles en même temps, peut-être. Donc là, il faut que je mette 32,4 grammes normalement. 32 grammes, c'est bien. Hop, donc tout simplement, j'ai fait 54 fois 0,6. Donc j'ai 60% de 54 qui représente donc 32 grammes. Donc hop, on fait tard. Voilà. Voilà, et on vient mettre 32 grammes du composant. Elle est en train de travailler, elle dit Sylvia. Oh, comme Fred qui nous fait un coucou. Donc vous voyez la balance, c'est bien ces balances-là parce que bon maintenant je pense que beaucoup ont ce type de balance. Après une balance de précision c'est encore mieux si vraiment vous voulez faire des toutes petites quantités. Mais une balance de cuisine c'est bien suffisant. Moi c'est une balance qui m'a coûté 10 balles. Voilà. C'est bien, on a une petite, assistante. Enfin, une petite vieille, hein, mais bon. Une petite jeune, on dit. Maintenant, t'as quel âge? 47. 47, ça va, c'est jeune, 47 ans. Hein. Je mélange bien la résine. Peut-on la courber et la peindre comme la polyforme? C'est pas, non. Enfin, je vais vous expliquer. On en parlera ça dans un autre live de ce week-end, mais pas tout à fait pareil. Si tu veux vraiment une résine que tu peux peindre, que tu peux courber, tu prends la polyforme. Aucun intérêt de prendre de la résine époxy. Wilfried fait il est en train de faire du blending. Alors là, elle commence à faire des bulles, elle commence à devenir un peu laiteuse, c'est normal. Vous mélangez. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus, en fait. Jusqu'à ce que ça redevienne complètement translucide. Donc Charlotte, l'idée du pot blanc, ce n'est pas une bonne idée. Oui, mais moi, il vaut mieux prendre du verre, par exemple. Oui, on est jeune, Stéphanie, je suis d'accord avec toi. Je peux prendre un. Il y a Pierre qui m'appelle. Ah non, je ne crois pas d'appeler maintenant. Donc, ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fun. Hein. Mais il faut. Bonjour. Alors, petite question bonus, comme vous le savez, pendant les lives, nous faisons des petites coupures avec des questions bonus. Donc, aujourd'hui, la première question bonus. Ah, Freddy dit, j'arrête tout, question. Là. C'est pour gagner. Hop. Alors, à gagner. Un lot de résine époxy, 160 grammes, c'est ce que j'avais utilisé pour faire les 16 litres. Voilà. Enfin, on aurait pu en faire, je pense, 20 avec ce que j'ai utilisé ailleurs. D'accord. Donc, la question, vous êtes prêts?
Et on gagnera celui qui apparaîtra en premier sur notre PC, puisque oui. C'est une question de retour et non une question de validation chez vous. J'ai regardé le replay hier et ça va, les noms qu'on annonçait, c'est les premiers sur le replay. Aussi, donc, si vous voulez vérifier, du moins pour le live d'hier, ça fonctionnait, les premiers apparaissaient bien en premier lors du replay. C'est ça. Bon, vous êtes prêts pour la question ? Allez, c'est parti. De combien de pièces est composé le kit moule alphabet ? Elle avait déjà répondu avant. C'est qui triche, qui donne la réponse avant la question ? Bon, ben, on ne peut pas faire autrement, c'est la première. C'était pas une bonne question, en fait. T'as trop insisté sur le nombre et tout à chaque fois. Mais non, je me suis trompée. Bah ouais. J'ai même dit 244. Bon, bah Lolo, c'est toi qui as gagné, hein ? Avant même la question. Donc, c'est Lolo, Nelly qui dit Prums. Donc, Lolo, bravo. Donc, c'est 224 pièces qui constituent l'ensemble kit, puisque vous avez le moule et après, vous avez toutes les petites pièces, les petits accessoires qui vont vous permettre de faire, entre autres, des porte-clés. Voilà. Il y a Dominique qui dit bravo à Lolo. Bon, bravo parce que vous êtes super nombreux à avoir donné la bonne réponse. C'est que vous écoutez bien et que vous êtes attentifs. Bah, ils savent maintenant. C'est cool. Ils prennent des notes, d'ailleurs. Et Fred, il dit, j'ai dû rater un truc. Je ne sais pas, il a dû pas marquer la bonne réponse. Ouais. Donc, bravo Lolo. Bon, moi, j'étais en train de continuer à mélanger ma résine. Hop, allez, je rebascule. C'est reparti. Je pensais encore. Tu peux lire les questions comme les messages. Tu lis juste les messages s'il y a des choses importantes. Pertinentes. Voilà ma résine. Tout est pertinent. Hein, la résine fait pas mal de bulles, mais pas d'inquiétude. Quand on va la chauffer, vous le savez, les bulles vont remonter parce que ça va fluidifier la résine et donc faire remonter les bulles. Ah, il y en a une qui dit « je pensais le moule ». Non, le kit résine, on a bien dit le kit du moule alphabet. Combien de pièces ? Hop, donc je vais maintenant la chauffer un peu, donc toujours pareil, hein, j'ai mon pistolet. Sandrine, elle dit « mal réveillée et malade ». Ah, bon rétablissement Sandrine. Donc mon décapeur thermique que je vais venir mettre au-dessus de ma résine. Pour la fluidifier davantage, donc la chaleur fait fluidifier la résine. Et donc, plus elle est fluide, plus les bulles d'air peuvent remonter facilement. Attendez, je vais juste mettre plus chaud. Voilà. Et je vois tout de suite la différence, hein, quand je chauffe. Voilà, il y a beaucoup moins de bulles. Elle est plus facile à mélanger parce qu'elle est plus fluide. Voilà. Donc, maintenant, je décide de ce que. Alors, votre moule, pour bien, il faut qu'il soit de niveau. Vous le savez, vous prenez votre niveau. Pourquoi le faire dans un récipient ? Où est-ce que c'est passé ? Et pas une fois dans le moule ? De chauffer ? Pourquoi le faire dans un récipient et pas... Je suppose que vous parlez de chauffer, parce que là, je suis vraiment sur des tout petits moules et je chauffe plutôt... D'ailleurs, je ne sais pas où je l'ai mis. Normalement, je chauffe avec une flamme. Parce que quand je le fais avec mon décapeur, la ventilation va quand même faire bouger la résine. Donc, je le fais plutôt avec une flamme. Je chauffe avec ma flamme. Je ne sais pas où je l'ai mis. D'ailleurs, j'avais mon briquet. Alors là, Marc, est-ce qu'on peut faire cette technique avec l'autre résine ? Non, pas du tout. Oui. Vous oubliez, l'autre résine, c'est pas fait pour ça. Après, vous pouvez quand même couler la résine polyforme dans les empreintes, mais vous n'aurez pas le même rendu. Mais par contre, vous pouvez, ça bien évidemment, vous pouvez couler la résine polyforme dans les empreintes si vous voulez les peindre, les coller sur un meuble, etc. Si on n'a pas un décapeur, on peut utiliser quoi ? Sèche-cheveux, chalumeau. Moi, ce que je vous disais là, justement, sur les lettres de celles que j'ai faites, j'ai utilisé mon allume-bougie. Qu'est-ce qu'on marque ? Comme ça, je chauffe avec la flamme, ça chauffe, ça fait remonter les bulles. On a le temps de mélanger puisque la prise se fait sur 24 heures. C'est ça, oui. Hop, donc j'ai mes petits pots en silicone. Voilà, dans lesquels je vais faire mes mélanges. Donc, j'ai pris mes flakes, donc c'est des copeaux de feuilles de métal. Ah. J'ai aussi ici
du blanc. Il y a Stéphanie, elle demande, non, ma question, c'est pour les bulles, est-ce qu'on peut la chauffer? Ah non, 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 non. Tu ne peux pas chauffer la résine polyforme pour faire remonter les bulles. La résine polyforme, si tu ne veux pas qu'il y ait de bulles, donc déjà, on n'agite pas, on mélange soigneusement. Pareil dans vos récipients, vous ne secouez pas vos récipients, vous les retournez, vous attendez un peu et vous les re-retournez, ça mélange vos composants. Et pour enlever les bulles, non, tu vas à l'aiguille pour les percer. Donc, j'ai mes flakes, j'ai ma peinture blanche, j'ai pris un fond de peinture métallique. Nelly, elle demande pour savoir, le facteur est bien passé chez vous? Oui, Nelly, j'en ai parlé justement hier lors du live. J'ai même pas, pour te dire, j'ai même pas eu le temps de le dire à maman. Et je lui ai dit, il faut absolument qu'on envoie un message à Nelly. Donc, merci beaucoup, Nelly. Et je goûterai ça tout à l'heure. À mon avis, tu es une fan comme moi de caramel, parce qu'il y avait plein de choses au caramel. Et ouais, ouais, merci beaucoup. On a bien reçu. On l'a reçu hier en milieu d'après-midi. Et je t'avoue qu'hier, on était très, très speed pour préparer les lives. Donc, j'ai même pas, c'est pas bien, mais j'ai même pas pris le temps de te répondre. Voilà, Valérie, c'est vraiment un fond de fond. Valérie, elle demande, on peut mettre nos chutes de feuilles d'or dans la... Bien évidemment. Dans la résine. Tout à fait. Là, c'est un peu comme si c'était vos chutes. Hein. Donc... Nathalie, elle se rend pas compte, elle lit tout, mais on entend tout. Ah bah oui, le PC, il est là, le micro. Puis elle lit tous les messages. Elle a même lu la mienne de... Quand j'ai dit, on a le temps de mélanger, ça prend 24 heures, c'était moi. Alors là, je mets dans mes petits pots en silicone. Donc, je vais faire un mélange avec des copeaux. Je vais faire de la transparente. Je vais voir peut-être certainement pour faire un peu de bleu métallique pour changer. Et là, je sais pas, du blanc. Du blanc. Allez, hop. Et là, on va garder pour la translucide. Donc, j'étais absente, Nelly, le temps que vous avez changé concernant ton petit colis, ton très, très, très gentil colis. Je te fais mille bisous et je te dis bien merci. Ah ouais, vraiment, on va se régaler. Au début, je croyais que c'était du caramel, la boîte de caramel au beurre salé. Ah non, moi, j'ai secoué et j'ai senti que c'était pas... Ah bah, de toute façon, c'est écrit dessus. Ouais, mais... mais sur le coup, effectivement, je pensais que c'était du camembert. La boîte, c'est comme une boîte. L'image est bloquée de ton côté. Sors et reviens, Justine. Donc, j'ai mes petits copeaux de feuilles de métal. La petite astuce, ne vous embêtez pas à faire des tout petits morceaux pour les mettre dedans. Les copeaux ne sont pas très grands. Et en fait, quand je vais... Touiller. Mélanger, ils vont se réduire. Donc, hop. Le seul problème sur le silicone, effectivement, c'est que la feuille de métal étant statique, elle accroche. Hop. Et sur mes gants. Les petits pots silicone sont effectivement à la vente, Evelyne. Et ils vous sont offerts toute la semaine. J'ai oublié d'en parler de cette promo-là hier. Pour tout achat de résine, vous avez un pot en silicone offert, que ce soit cette résine-là ou la résine polyforme. Polyforme. Donc, hop, on met dans la résine et tout simplement, on mélange. Oui, alors la petite astuce, je vois qu'ils ont parlé de la rubrique nouveauté. Quand c'est quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à aller voir dans la rubrique nouveauté. Et maintenant, vous, en plus, c'est classé par date d'arrivée. Non, c'est pas classé automatiquement. Enfin, vous pouvez trier par date de... Par date de nouveauté. Donc, vraiment, si vous allez... T'as pas mis trop de flex par rapport à l'arrivée ? Non. Donc, après, voilà, comme maman dit, là, vous rajoutez plus ou moins de flex en fonction de ce que vous voulez et vous mélangez jusqu'à obtention de la taille de copeaux que vous désirez. Là, ça me paraît bien. Alors, Candiline, tu auras ta réponse dans la suite du live. Par contre, tu peux chercher là-bas. Oui, j'ai entendu. Ouvrir ma flamme, je vais en avoir besoin. Donc ici, on va faire un peu de bleu métallisé. Alors, vous voyez, j'en prends pas beaucoup, j'ai quasi pas de résine. Voilà, je prends juste ça et je viens mélanger à ma résine. Ça va me faire une jolie résine bleu métal et je ne veux pas qu'elle soit ultra opaque, donc même là, j'en ai peut-être mis un tout petit peu trop. Sinon, on va voir dans mon plateau chez moi, quelquefois que je l'aurai rangé chez moi dans mon plateau à bougie au centre de table. Voilà, donc pour le bleu, c'est OK. Maintenant, ici, on va faire un peu de blanc. Ah, c'est bon.
vous allez la trouver. Alors, le blanc, c'est pareil, je veux que ça fasse laiteux. Donc, vous voyez, je prends vraiment une toute petite pointe. Je vais vous zoomer un peu quand même. Je prends une toute petite pointe de blanc que je viens mélanger à ma résine. Je veux juste que ma résine soit laiteuse, je ne veux pas que ce soit un blanc opaque. Voilà. Merci. Et le reste, on garde de la résine transparente. Voilà. Donc, je reprends ça. Je mets ça sur les côtés. Et on va pouvoir commencer donc à couler notre résine. J'ai aussi des petites fleurs séchées. Marie-France nous avait oublié. Ben, c'est du propre. Ah ben, bravo, Marie-France. Je suis vexée. Donc, voilà, on a aussi des fleurs séchées. Ça, c'est un des kits que l'on a, mais on a quatre modèles différents de fleurs alors, séchées. Montre ce que c'est comme résine. Il y a Steph qui arrive maintenant. C'est la résine époxy. Voilà. Donc, pour faire ce que je vais faire maintenant, oui, il m'en reste quand même un peu, je vais la récupérer. C'est pas grand-chose, mais ça peut faire un fond de lettres. Voilà, Stéphanie, j'ai épinglé le message de Sybille. Voilà. Donc, on va. Isabelle va me couper quelques petites fleurs bleues. Il faut forcément utiliser les peintures anislone, non, du tout. Hein. Non, tu utilises des pigments hein, sur les autres lettres que j'ai faites ici. Là, tu réponds à la question de Candidine que je disais qu'on allait voir après. J'avais utilisé. J'en cherche un. Tu veux que les petits bouboules hein. Et quoi ? Tu veux que les petites boules oui. Vous voyez, là, par exemple, sur le fond du E, là, c'est des pigments métalliques dorés. J'en ai sur d'autres. Voilà. Donc, tu peux le faire avec tes mains, hein, sinon. Alors, l'idée, vraiment, si vous voulez que votre lettre soit vraiment nickel. De chez nickel. De chez nickel et bien transparente. Vous voyez, par exemple, je vais vous montrer par rapport à... C'était laquelle qu'elle n'est pas. Le J, par exemple, de Jade. Ici, donc j'avais mis des paillettes dans ma résine. Attendez, hein, je vous fais une mise au point. Vous pouvez mettre des paillettes dans votre résine, ça, il n'y a aucun problème. Sauf que j'ai d'abord coulé ma résine avec les paillettes. Erreur, parce que ça fait un peu opaque. L'idée, c'est de d'abord mettre alors, mes petites pipettes. On a des petites pipettes, au fait, maintenant, pour la résine, c'est bien pratique. Mise au point, attention. Donc, l'idée, c'est de d'abord mettre... la résine transparente. Ici. T'en as assez ? De quoi de fleurs ? Oui, je peux en faire 36. Hein. Voilà. D'abord la résine transparente, que je viens chauffer pour vraiment. Bon alors, on va pas me lâcher. Hein. Pas de moment. Vous venez chauffer. Ça chasse les bulles d'air. Ça, on ne voit pas. Quoi, on ne voit pas ? On ne voit pas quoi ? Ah, c'est parce que tu n'y étais plus, peut-être. Rien, c'est bon. Oui, c'est bon. On ne voit rien. Mon petit bâton, le très fin. Là, ce que je fais, c'est que je prends un tout petit peu de résine sur mon bâton, comme ça, je peux venir. On ne voit pas les fleurs. Facilement prendre les petites fleurs. Il faudra faire la mise au point. Alors, je vais zoomer déjà sur cette lettre. Et je vais faire la petite mise au point. Voilà, impec. Donc, hop, donc la résine un petit peu sur votre bâton, ce qui fait que votre bâton colle. Et vous allez chercher vos petites matières que vous voulez mettre. Alors, ça peut être ça, ça peut être des graines de chia. Ça peut être des bonbons. Ça peut être n'importe quoi. Enfin, ouais, des bonbons dans des trucs plus grands. Mais vous pouvez insérer n'importe quoi dans votre résine. Vous pouvez, par exemple, vous êtes collectionneur. Moi, je me souviens, à une époque, on faisait ça. J'étais gamine, j'avais une dizaine d'années. Oh, et avec... Oui, c'est ça. Avec des bourdons, par exemple, j'ai mon cousin qui, tu sais, qui a attrapé des insectes et il coulait de la résine dessus. Donc, une fois qu'ils étaient plus vivants. Bah oui. Tu vas m'arrêter, truc de défense des animaux. Alors, l'idée, en principe, attendez, là, je vais juste remettre un peu de... Vos fleurs vont avoir tendance à vouloir remonter. C'est normal.
attendez, j'en remets juste là un petit peu. Il m'a manqué. Donc, si votre résine se fige un peu pour prendre avec la pipette, vous la réchauffez. Oui. Et là, je vais venir enlever les bulles d'air en chauffant. Voilà. C'est une cartouche dedans, c'est quoi? Non, c'est du gaz. Oui. Le top du top, là, on n'a pas le temps de le faire, donc je ne le ferai pas. Le top du top, c'est on laisse figer ça. Et seulement, par exemple, demain, vous venez recouler par-dessus de la résine. Comme ça, vraiment, ce qui est ici, ça ne va pas pouvoir se mélanger. Ça va rester posé tel quel. Et quand je vais mettre mon mélange avec les feuilles de métal par-dessus, ça va vraiment faire... Non, c'est pas ce qui, c'est pas ce que j'ai fait, mais ça va vraiment faire un effet... Mise au point. Pardon. Ça va vraiment faire un effet de profondeur. Plus haut. Parce que... Plus par moi. Oui. C'est bien. C'est bien. Ça va vraiment faire un effet de profondeur parce que vous aurez vraiment vos fleurs au premier temps dans de la résine transparente et seulement... Par derrière, vous aurez les flakes. Donc ça, on en fera un après que je vais laisser tel quel et qu'on viendra recouvrir par-dessus. Là, moi, je vais quand même recouvrir avec la résine, avec les petites feuilles dorées. Attendez, je vais la réchauffer pour qu'elle soit plus liquide, que ça aille beaucoup mieux à la mettre dans le moule. Voilà, comme ça, là, elle est vraiment bien liquide, bien fluide. C'est beaucoup plus facile à la couler. Mais ils ont certainement dit plein de bêtises parce qu'ils parlent de rhum avec les pipettes. Hop, 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 hop. Donc là, vous c'est voyez net, forcément... Hein. Forcément, mes fleurs remontent. C'est tout à fait normal. Donc là, j'essaye de les... Parce que c'est super léger, hein, les fleurs séchées. Alors que si vous laissez prendre votre résine avec les fleurs dans le fond et que seulement après vous venez couler par-dessus, ça changera tout. Vous pouvez par exemple couler par-dessus de la résine blanche ou alors faire un fond avec ça et par-dessus, une fois que ça aura pris, mettre la dernière couche, mettre du noir. Ça va vraiment faire un effet de profondeur et laisser bien d'abord vos flakes et le reste après. Allez, maintenant... Je vais faire ce qu'on donc, si je comprends bien, je vais l'épingler. Donc, si je comprends bien, tu dois d'abord verser dans le moule ce que tu veux voir en premier. Tout à fait. Et en dernier, ce qui constitue la couche de fond de ta lettre. C'est ça, tu as tout compris. Ça, et hop, c'est ce côté-là qui doit être joli. On ne voit pas là. Donc, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais dézoomer. C'est quand même beaucoup mieux de le faire en deux fois. De faire deux coulées. Donc, tu attends. Tu n'es pas obligé d'attendre 24 heures que ce soit complètement dur. Mais je dirais qu'au bout de 16 heures, ça devrait être correct. Et donc, tu pourrais couler la deuxième. Je vais chauffer un peu le blanc. Alors voilà, Evelyne a dit qu'il faut vraiment se lâcher sur la créativité. Non, tout à fait. Vous avez des petits restes comme l'autre flakes, des petits restes de pigments, tout ça, et c'est le moment, quoi. Donc là, Charlotte travaille les deux côtés en même temps. Elle a ses deux pots, et elle fait un côté avec du blanc et un côté avec la résine, avec les paillettes. Et hop, voyez. N'hésitez pas à vous pencher pour bien voir si vous en avez mis assez. Faut pas en mettre trop, ni trop peu. Hein. C'est la difficulté, là, on va dire. C'est de réussir à doser. Voilà, il faut y aller doucement. Avec les petits pots en silicone, l'avantage, c'est que vous pouvez les pincer pour vraiment faire un bec verseur. Bah, et ouais, mais l'accentuer, enfin, ouais. Tu m'as compris. Alors là, vous voyez, je vois que mon C, il n'est pas complet, mais on va le laisser comme ça. Et quand ce sera figé, je viendrai peut-être mettre juste une petite coulée de noir, même si je ne pense pas que ce sera flagrant, vu que c'est assez opaque avec les feuilles de métal, mais bon. Allez, on en refait un petit. Je réfléchis à ce que je vais faire. C comme chevalier. D comme Dédé. Allez, on va faire un métallique avec des flakes.
Alors, qui a les initiales CD, là? Donc, voilà, le même principe hein, avec le, sur le M. D'un côté, on coule la bleue. De l'autre côté, celle avec les flakes. Vous y allez progressivement. Vous laissez le temps à la résine de bien se répandre dans, le, dans l'empreinte. Et après, si vous le voulez, vous pouvez quand même mélanger ici et faire un genre de... À bientôt, Martine. Un genre de fondu, hop, pour faire remonter légèrement le bleu. Voilà. C'est comme Corinne, ouais, mais j'ai... Ouais. C'est comme Caroline, c'est comme Coco. Voilà. Après, les lettres, je ne sais pas, je vais le dire, tant pis si... Vous pouvez aussi les coller ou les accrocher à vos cadeaux. Je te spoil. Ben ouais, moi. Bon, voilà. Ah. Je vais la taper. Donne-moi des petites fleurs autres que du bleu, s'il te plaît. Autre que du bleu, du orange. Mmh. Hop. Alors là, c'est des toutes petites boules de fleurs, mais après, on a des autres lots où vraiment, c'est des pétales, etc. Hein. Il y a vraiment des trucs sympas. Allez, un N. N comme Nelly. C'est vrai. Comme Nadine. Comme Noémie. Comme Nanar. Comme Neneu aussi. Hein. Voilà. Je mets bien de la résine dans le fond. Au moment où je regarde, je tombe sur un message non désiré. Allez, je chauffe pour enlever les bulles d'air. Vraiment, là, vous ne pouvez pas vous le voir hein, à, tu vois ce qu'elle... à la caméra. Mais en ah fait, oui, tu regardes quand, quand je chauffe, vraiment, ça fluidifie et je vois tout de suite les bulles d'air. Oh, je coince mes gants dans... Je vois tout de suite les bulles d'air qui remontent. Qu'est-ce que j'aime pas travailler avec des gants. Je vais donc prendre un peu de résine sur mon bâton et on va venir chercher les petites fleurs oranges. J'ai fait le nécessaire, Monique, merci. M comme marabout aussi. Hein. Aussi. Comme maminou. Comme manou. Comme maman. C'est ça. Pas assez de résine incolore. J'en remets un peu. Ça ne fond pas quand tu chauffes les moules, non? Non, c'est fait pour. Hein. Après, les moules... Résine, par exemple, la résine polyforme, elle chauffe quand elle... Quand elle se fige, quand donc, elle réagit. C'est fait pour. Hein. Et puis, les moules silicone, en général, sont faits pour aller au four. Après, il ne faut pas laisser ta flamme peut-être directe au même endroit pendant 3 minutes. Hein. Mais vous voyez, par exemple, ce genre-là, je vois bien ça avec une marguerite coupée de moitié. Et on met la marguerite ici, dans le coin, par exemple. Des petites pâquerettes. C'est ça, ouais, des pâquerettes. C'est quoi la différence? Une marguerite, c'est en plus grand. C'est plus grand. Plus grand. Mais je pense à des pâquerettes. La marguerite, ça fait grand, effectivement. Donc, hop, j'ai mes petites fleurs. Et je me dis que sur celui-là, on va justement le laisser figer. Du moins, au moins un peu. Peut-être qu'en fin de live, je pourrais couler, mais je pense pas. Moi, l'idée, vraiment, ce serait de la laisser figer complètement, la laisser durcir. Bon, j'ai pas fait beaucoup de mélange. Et après, quand couleurs, vous, ouais. Comme là, vous faites des fleurs oranges, je sais pas, Charlotte, elle va certainement faire avec ce qu'elle aura au moment venu, mais vous pouvez jouer avec les couleurs complémentaires aussi. Oui. Allez, on va faire La couleur complémentaire du orange. C'est le... Le orange, c'est quoi? C'est... Un mélange de jaune et de rouge. Donc, la couleur complémentaire, c'est la troisième couleur primaire, le bleu. Je me lève seulement, c'est ça Fabienne. Déjà hier, elle me dit à 8h qu'elle était dans son lit pendant le live. Oui, j'ai vu pendant le replay. Eh ben, je vais essayer de les mélanger vraiment. Elle nous a accompagnés, elle a limé aussi toute la nuit. Bleu, c'est bien. Et non, c'est pas le violet, Monique. Alors, ça peut être le violet si... Non, le violet, c'est la complémentaire du jaune. Ouais. Parce que violet, c'est du bleu et du rouge. Et donc, il manque la complémentaire, c'est la dernière couleur primaire.
Et si, par exemple, on prend une couleur primaire tout de suite, c'est-à-dire que, par exemple, si on vous dit c'est quoi la complémentaire du jaune, le jaune est ici, il vous manque en couleur primaire le rouge et le violet, le rouge et le bleu. Et donc, la complémentaire du jaune, c'est l'assemblage des deux autres couleurs primaires qui manquent. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais... j'ai plus grand-chose à faire là. Je vais faire un peu de noix. Monique, elle dit, bon, tu viens de rater mon examen d'entrée chez IBDECO, je repasse l'année prochaine. C'est ça, Monique, entraîne-toi. Allez, je vais prendre quand même un peu. Après, c'est dans la roue chromatique, si vous en avez une, vous regardez, c'est la couleur qui se trouve à l'opposé. Donc, si on a des couleurs ni primaires ni secondaires, ça se complique un peu, mais voilà. C'est la couleur que vous avez en face. Voilà, j'ai mis un tout petit peu de noir. Encore il y a une séance de rattrapage, elle dit Christine. Pour faire un noir laiteux. Tu vas le mettre où celui-là ? Sur le C. J'en ai encore fait trop pour faire quelques lettres, hein. Mais bon, on va se faire plaisir. On va refaire noir et doré. Rouge, vert, c'est ça, tout à fait, Patricia. T'es sage, on n'entend plus rien. Je suis concentrée. Moi, j'aime bien le... Ah, celui-là, il plairait à Evelyne. Hein. Avec un E avec des paillettes dorées. Hein, Evelyne ? Est-ce maintenant qu'on met le porte-clé ? Non. Je vais vous montrer après. C'est pour ça que j'ai déjà fait des lettres, moi. C'est pour vous montrer. Sandrine, elle dit, je me souviens du live sur les couleurs, j'avais le cerveau qui chauffait. Ouais, je peux comprendre. Quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'est pas là-dedans. Tu mets quelles paillettes dans le noir pour l'effet que tu as montré avant ? J'ai mis des petites paillettes dorées que j'ai eues dans un discount. Je ne sais pas où elles sont d'ailleurs. Non. Oui, c'est ça. C'est un petit pot que j'ai avec plein. On en a normalement des paillettes. Hein. Ça fait au moins 2 ans, voire 3, et on les a jamais. Je dis que j'en ai en magasin un gros pot de doré et j'ai cherché le mien ici, je l'ai pas trouvé. Donc je chauffe. Bon, ça c'est pratique. Hein. N'hésitez pas. Enfin, si vous devez faire de la résine régulièrement, puis ça là, vous sert pour. Si je le faisais avec le décapeur, fait de la. Vous le voyez quand je veux flouter un peu avec le décapeur. Il y a trop d'eau. Il y a trop d'air. Ça fait de l'air et ça me ferait tout bouger. Donc, vous avez peut-être un allume-gaz, c'est un allume-bougie. Donc, après, ce n'est pas un investissement énorme. Vous l'aurez pour allumer vos bougies plutôt que de toujours chercher après vos allumettes. Et ça peut aussi vous servir pour chauffer aussi les poils du poulet. Enfin, les petits poils qui restent, le petit duvet. Bon, je vais faire une lettre monocouleur, monochrome. On va faire quoi ? Allez, on va faire un F. Un A noir et doré, elle demande Audrey. Je vais regarder si on en si a. Si en reste, allez, on te fera plaisir, Audrey. Alors, hier, Charlotte mouillait et aujourd'hui, elle chauffe. C'est ça. Bah, écoute. Je n'avais pas encore fait bleu et noir, du coup, j'ai rajouté une petite touche de noir devant. Mais alors là, vous voyez, sur la belle face, ce que je suis en train de rajouter au-dessus, ça ne se verra pas. Ici, oui, parce que le bleu n'avait pas eu le temps d'arriver jusqu'au bout, donc je risque d'avoir un petit peu de noir ici de visible. Mais le reste, non. Mais par contre, je complète quand même avec du noir. Donc non, je répète, l'allume-bougie ne brûle pas le silicone parce qu'on ne reste pas non plus en position fixe. Et les moules sont faits aussi pour aller à la chaleur, puisque les moules en silicone sont... à la base, destinée à faire de la cuisine, donc à passer au four. Voilà, on va chauffer. C'est quelle couleur qu'on a demandé pour quelle lettre ? Noir et doré pour la lettre... Je ne sais plus, c'était qui. Oui, A. Oh. C'était... J'ai plus beaucoup de c'était doré. Audrey, un A noir et doré. Allez. On le voit le haut. «
Alors oui, on a le moule, il est en boutique, Rose Nadine, et il est là, la hauteur des lettres, c'est une bonne question, ça fait un petit centimètre, un petit, hein. Le mètre, il est arrangé. Il n'y a pas la taille, j'ai peut-être mis sur le site hein, la taille. Attends, je vais regarder la photo. Sur les photos. Les photos là avec les dimensions, c'est moi qui les ai faites pour vous aider à. J'ai tout modifié. Oh, pétard, on le voit, mais c'est trop petit. 0,5, je crois. Hop. Je ne l'ai pas remis dans. On l'a utilisé hier, hein, donc il n'est pas loin. Je l'ai peut-être rangé dans mes outils. Je vais voir par là. On regarde ça, Rose Nadine. Oh, j'ai plein mes gens. Ah, je l'ai. Hello. Bon, allez, on va finir de couler. Je vais mettre des paillettes dans mon blanc pour finir. On va mettre des petites paillettes. Qu'est-ce que tu veux, mon paillette? Dans le blanc. Dans le blanc, bah, pas des. Les roses. Les roses? Attends, tu veux pas? Je m'étais dit peut-être des rouges. Bah ouais, c'est ça que je veux dire, les rouges. Ici, je les vois roses. Donc, 6 mm, la hauteur des empreintes, Rose Nadine. Donc, tout simplement, dans ce qui me reste de blanc, hop, je vais venir, mettre des paillettes rouges. Je vais mettre un peu plus. Oh, j'en ai mis beaucoup, là, je pense. Ouais. On verra ce que ça donne. Parce que surtout que mon blanc était un peu laiteux. Ouais, je suis pas sûre. Alors ça catalyse, il faut compter 24 heures. Hein. Oui. Ah, la hauteur des lettres. Oui, c'est ce qu'on t'a demandé. Moi, j'ai donné l'épaisseur. Excuse-moi, je te dis ça. 4 cm. Voilà. Donc ça, je vais l'enlever parce que j'ai dit une bêtise. Alors. Dans le bleu. Casser, là, pour faire un... Attendez, je vais refaire une petite lettre quand même. On va faire un S. J'ai pas fait de S, il me semble, sur l'autre fournée. Ah, j'ai essayé de faire un retour à la ligne, ça n'a pas marché. On va parler des fixations après, oui, Valérie. Oui, oui, c'est prévu, vous inquiétez pas, je vous lâche pas comme ça après. Moi, je voulais faire quoi avec ça? Je sais plus. Ça. Donc, Audrey, ton A est en cours de séchage. Enfin, ton A. Le A que tu nous as demandé. Donc là, ce que je vais faire, je ne veux pas remonter trop, je ne veux pas mettre du bleu par-dessus, je veux vraiment que le doré reste transparent, mais ici, il m'en manque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. On voit là, au fait, je suis cadrée. Non, pardon. Maman. Donc, je suis en train, là, c'est bon? Oui. Je suis en train de faire le S, je ne veux pas mettre du bleu par-dessus le doré. Par contre, le doré n'est pas assez haut en hauteur. Donc, je rajoute du bleu en essayant. Il va se pousser. En espérant que ça aille pousser. Ouh, doucement, Charlotte. J'en ai mis un peu trop. J'espère que ça va se. Alors, des moules alphabet, il en existe d'autres. Les Yodé. Chez Yodé, Fabienne. Et c'est pas pareil. C'est pas pour faire. Non, mais c'est pas pour faire des. Ah oui. Il y a les... C'est pas pour faire des porte-clés, justement. Ben, il y a les ceux de chez Yodé. Par contre, je crois qu'il y en a un qui est arrêté parce que je ne peux plus l'avoir chez mon fournisseur. Le Harper. Bon, allez, on va finir. Hein. Rouge et... Allez, paillettes rouges. Dans du blanc. Il n'y a pas de G? Mais si, il y a un G. Si, il est là. Enfin, on ne le voit pas à l'écran. Et après, le F. Alors, regarde, je vais faire maintenant. G comme Graziella. C'est elle qui demandait. C'est Graziella qui demandait. Je fais avec mes restes, hein, là. Mais voilà, vous voyez avec ce que j'ai fait là, vous pouvez faire plein de couleurs. Hein. Vous prenez ce que vous avez chez vous. Alors là, les paillettes, ça aurait été plus sympa dans de la résine transparente. J'ai fait dans de la résine blanche parce que c'est ce que j'avais de près.
Quoi? Tu demandes, tu crois voir après. Il y a Karine qui demande le B. Voilà, c'est fait. Il suffit de demander. Le B est fait. Un P. Bon, et on n'a pas fait tout l'alphabet. Hein. Non. Allez, le P, je vais le faire avec ça. Attends. Le P, il est fait aussi. T'en refais un? Non. Allez, on refait un P. Enfin, on refait ça, la lettre c'est P. Dans le thème, je pète des paillettes. Ah là, c'est ça. Hop, on va faire la petite pointe. Ah ben, merci Monique qui a mis le lien pour Fabienne du moule Harper. Le R, il a été fait aussi. Oui, j'en ai fait un de R. Voilà, le R est fait. Bon, là, on est OK. Hein. Je vais couler pour dire de couler. Hein, mais... Donc, le N sera fini plus tard puisqu'on fera une couche de fond. Oui. Tout à fait. Charlotte fait un P. Tout à fait, dit Fred. Bah Evelyne, c'est pour toi qu'on l'a fait le E. Enfin. Hello, elle aime beaucoup avec les fleurs séchées. Vous pouvez faire un. Vous pouvez faire un plateau, vous pouvez faire n'importe quel. Vous pouvez utiliser vos moules hein, que vous avez actuellement aussi. Hein. Bon, celle-là aussi, il faudra que je recoule un peu par-dessus. Parce qu'on n'en a pas assez. Hop, allez, on arrête là. Alors, l'avantage aussi des petits pots en silicone, c'est qu'une fois que la résine sera prise, vous les... Pour le nettoyage, ça va tout seul. Pour le nettoyage, ça va tout seul. Il suffit de presser un petit peu votre peau et la résine va se décoller de du silicone. C'est le principe du silicone. Hop. Donc, ce qui est là, donc celui-là, on viendra le finir ensemble. Fabienne, si tu cherches le moule, dans la loupe sur le site, tu écris Harper, H-A-R-P-E-R, et tu vas trouver le... silicone iodé. Et sinon, tu feuillettes la catégorie, les moules silicone iodés, parce que je ne pense pas qu'il y en a chez Redesign avec des lettres. Il y en a une au milieu, tu l'as mis à l'envers? Oui. Elles sont hautes. Non, c'est une poche, ça. Ah, il y a des poches. Bon, je vais mettre ça, moi, hop, de côté, sur le plan de travail là-bas que j'ai mis deux niveaux exprès. Hop. Lequel? Là-bas, sur un meuble, j'ai mis une planche de niveau pour pouvoir poser ça. Et je reviens. Tout de suite. Prends-toi pas les pieds dans le tapis. Hein. Non. Non, et elle se prend les pieds dans le tapis. C'est pas le tapis, c'est un câble. Ah, oh, ben c'est pareil. J'ai pas menti. Tu sais bien qu'il n'y a pas de tapis. Hop, je range les petites fleurs séchées. Et vous verrez, les petites fleurs, il y en a vraiment des sympas. C'est joli, les roses, elles sont belles. Ouais, même les jaunes, j'aime bien. Moi. Ouais. Les jaunes, il y a des belles. Des vraies fleurs avec des pétales. Ouais. Et je trouve ça sympa. J'aurais dû vous en faire avec ça aussi, d'ailleurs, pour vous montrer. Donc, maintenant que ça c'est bien sûr, fait... ça fonctionne dans les moules Redesign et iodé, hein, tout ah, à oui, fait. Oui, hein. Oui. Un moule silicone sert à faire des empreintes et le silicone est une matière qui empêche les autres matières d'adhérer, que ce soit la peinture et ici, surtout, ce qui nous intéresse, les résines, et que ce soit la résine époxy ou les résines polyformes. Voilà, Candiline. Donc... Donc, hop, les petites lettres que l'on a faites. Le B à l'envers. Je ne vois pas. Il y en a sur le noir, le A, on voit qu'un côté. Oui, ouais. Il est beau aussi. Hein. Donc, tout simplement, dans le kit, vous avez ce petit outil. Comment ça s'appelle? Une virole, c'est pas ça? Une virole? Dites-nous si vous savez comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle les outils qu'on tourne normalement là. Donc, je viens tout simplement pointer où je veux mettre mon attache. Je préperce. On passe au jeu des chiffres et des lettres. Il me faut une... Non, attends, je vais dévisser. Il me faudrait une pince. Une petite pince. Je l'ai utilisée hier. Là. Ça ira, ça aurait été mis une passe à bijoux, mais... Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais faire.
Fais-moi une passe. Donc là, vu que j'ai utilisé du doré, je prends les accessoires dorés. Si vous utilisez de l'argenté, vous avez tous les accessoires qui existent en argenté. Donc après, vous faites comme vous le sentez. Alors non, pas une tournevis, une vrille, hein, ouais. Une vrille, ça veut dire ça. Enfin, moi, c'est pas ça que je pense, mais... Donc, je vais me baisser et je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc, je prends le petit piton à vis. J'ai un petit piton à vis. Je le pince comme ceci. Je viens le mettre dans le pré-trou que j'ai fait. Et vous vissez. Alors, moi, je tourne la lettre. C'est plus facile que de tourner la pince. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire ce que je suis en train de faire. Le ressortir, dévisser, mettre une pointe de colle, de glu sur votre piton et revisser. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Une fois que c'est dedans, ça va prendre et ça ne bougera plus. Monte pas trop parce que t'es ici. Ouais. Voilà, ensuite. Donc, la tâche est mise. Donc là, ici, on a décidé de la mettre au-dessus. Vous pouvez la mettre. L'idée, si c'est un porte-clé, c'est au-dessus. Quoi. Je prends un petit anneau, un petit support à porte-clé. Voilà. Je cherche l'ouverture de l'anneau. Voilà. Wow. La pince, clairement, j'ai des pinces à bijoux, j'aurais dû les sortir. Hein, mais... Papa, t'es mal. Ouais, c'est mieux là. Mon pote. Hop, je l'ouvre. Je vais y passer forcément la chaînette. Je suis obligée de me mettre là pour que vous puissiez voir. Du coup, je ne suis pas à ma hauteur. Hop. Et je referme. L'anneau, et voilà. Tout simplement. Si vous avez envie de rajouter des petites breloques, un petit... Ah, j'ai peut-être un petit bouffon, attendez. Ah, c'est peut-être ça, un mandrin. C'est un mandrin à main. Oui, c'est ça. Merci, Nathalie. Comble devant, s'il te plaît. Alors, c'est de la précision, oui, mais après, la résine, si vous le faites le lendemain, par exemple, elle est encore très souple. D'où l'intérêt d'ailleurs de éventuellement mettre un petit point de colle. Bon, j'aurais pu rajouter plein de trucs, mais j'ai évité, je ne les ai pas sortis. J'ai tous mes accessoires pour bijoux, on aurait pu rajouter des breloques, des bonbons. Donc voilà, et on peut faire exactement. On va les faire et les mettre en photo. Ouais. Hein. On peut faire la même chose, je vais faire là-dessus en argenté. Ah, j'avais mis la grappe sur celui-là, justement. Le cas, il est où? Elle dit qu'elle adore le cas. Le cas, il est là. C'est un noir tout pailleté doré. Ah oui. Le P et le cas, c'est elle adore... Le P, le cas et le T. Karine. C'est juste du noir. T'as qu'à péter. T'as pas... Péter. Ah, il me faudra un deuxième T. Ben, qu'à péter. C'est bon, hein? Qu'à péter. Attends. Ah, j'ai pas fait de cul. Oh. Ah bon? Non. On est heureux. Je suis déçue pour toi, excuse. Mais... Donc ici, moi, je vais décider de le mettre là. T'es un peu trop haute, du coup. Ouais. Ou alors, il faut que tu te mettes plus haute et que tu... Qu'est-ce que tu veux? C'est parce que c'était pas... Donc moi, je décide de le faire ici pour que quand on tienne le porte-clés, le B ne soit pas droit. Le J, c'est des fleurs séchées. Non, le J, c'est... Ah, il y a les deux. C'est Hello qui demande. Le J, il y a paillettes roses, quelques flocons de doré et des petites fleurs séchées roses. Mise au point. Il est beau le S comme Sandrine, hein? Le S, ouais, rose, comme ça. Sandrine, elle dit, est jolie. Bon, après, tu peux le mettre dans l'autre sens, non? Non, ils ont... Il n'est pas symétrique. Hop, voilà, je prépare. Alors, c'est pas compliqué, ça va tout seul. Hein. La résine, quand elle est en plus frais, elle va encore durcir un peu, peut-être? Là, non. Non. Non, non, non. Et la résine, elle se perce. Ça se perce facile. Hein. Voilà, comme tout à l'heure, je prends mon piton à vis. Oups, il a bougé dans ma. Du rose pour Jade, T, du violet, LM. T, du violet. De vouloir écrire. Jade, elle aime bien le violet. C'est Monique qui dit ça, justement. Elle aime un peu toutes les couleurs et elle aime bien le rouge parce que c'est la couleur préférée de maman. Elle me le dit. Hop, voilà. Le petit porte-clé, forcément, en argent. Et les anneaux. Hop, ils ne sont pas ouverts. Coucou. Merci. Enfin, celui-là, il irait mieux. Hein.
Ah, et du violet, elle aime. Du rose pour Jade et du violet, elle aime. C'est ça. Attendez, je cherche l'ouverture de la meule. Oh là là. Donc, tout simplement, j'ouvre encore une fois. Là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et après, on peut rajouter... L'anneau permet de faire la jonction entre les deux éléments, c'est-à-dire la petite vis que vous avez mis, le piton que vous avez mis dans la lettre et la tâche. Il est 11h06. Ouais. Il n'y avait pas... Voilà. Le cadre Karine. Et vous voyez, celui-là, c'est celui qui est le plus simple. Hein. Une couleur, des paillettes, écoulé. J'ai pas fait de double couleur, j'ai rien fait de spécial. Hey, attends, j'ai pas fait. Je suis en plein zoom en plus. Bah oui, j'avais oublié de remonter l'appareil. Attendez. Alors, la petite question bonus, puisqu'il y en a encore une question très difficile. Je vous préviens tout de suite, parce que sinon vous allez dire, oh, nanana. Je suis sûre qu'ils essayent déjà de répondre. Alors, 224, non, ça c'était la réponse d'avant. Des paillettes, on va voir. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ils sont prêts? 26. Freddy dit, je vais changer mes plaques d'immatriculation, je vais mettre ça à la place, c'est fun. Alors, vous êtes prêts pour la question? On regarde la caméra pour lire. Alors, combien de mois de l'année comporte 28 jours? 59. Combien de mois de l'année comporte 28 jours? J'ai une réponse. T'as pas dit pourquoi c'était gagné, en fait. Attends, t'es où? Pour gagner du miel. Hop, la première bonne réponse, c'est Karine. Bravo Karine, t'as gagné déjà hier sur une question bonus. Donc, c'est pour gagner du miel. Donc oui, tous les mois comportent 28 jours. On n'a pas dit combien de mois ne comportent que 28 jours. On a bien dit comportent 28 jours. Donc tous les mois de l'année ont 28 jours. Au moins. Voilà, donc Karine était la première. Derrière, j'avais Nini Brock. Derrière, j'avais Mélane, Marielle, Monique, Rose Nadine. Tous, ouais. Voilà, il y en avait plein derrière, hein, mais la première, hop, il faut que je la retrouve pour la elle deuxième. Elle est rapide, Karine. Ouais, hop, voilà. Donc, bravo Karine, tu as gagné un miel. Il est là, non? Il est là, oui. Et c'est le miel d'été. Bah, non, c'est le même pot qu'hier que je n'ai pas rangé. Ah. Enfin, bref. Bon, voilà, bravo d'été, donc Karine. D'été, printemps, voilà. Donc, un miel, je tiens à préciser pour les gens qui reçoivent du miel de chez nous, ce sont des pots en végétal, donc ils n'ont pas de pétrole, ce n'est pas du plastique, ce n'est pas du verre. Vous ne les mettez pas au micro-ondes et vous ne les faites pas au bain-marie. Oui. Hein, parce que ça fond, Sandrine. N'est-ce pas Stéphanie? Stéphanie, oui. Hein, Stéphanie. Donc, si vous prélevez, s'il est figé un peu, s'il est cristallisé, c'est normal. Ça prouve au contraire que c'est un bon miel qui n'est pas trafiqué. Puisque c'est du miel bio. Oh, que c'est vicieux la question. Mais tu ne connais pas encore, Fred. Région. C'est nous. Voilà, c'est nous. On est des vicieuses, tu le sais. Voilà. Hein, voilà, bon, allez, on y retourne. De toute façon, on a quasi fini là, non? Oui. J'étais en train de... C'est encore moi. Hein, oh, mais bon, pardon. Voilà. J'étais donc en train tu de l'avais faire... Tu l'avais vu, le permis? Ouais. Celui-ci, il me faut une attache dorée. Et Karine, je vais te faire aussi le C pour toi, parce qu'hier, tu as été généreuse d'offrir ton cadeau que tu avais gagné. Donc, avec ton miel, je t'enverrai également le C que j'avais fait pour moi, mais que je te trouve. Oh, dis donc, t'es gentille. Hein. Donc, le C et le K pour Karine, c'est ça? Quoi? Non, le C pour Karine. Ah, pardon. Il faut le noter, hein? Oui, t'inquiète. Alors, pour les gens qui gagnent, si, bien évidemment, c'est sans obligation d'achat, nénénénén. Où est-ce que, attends, Karine, dis-moi où est-ce que tu préfères avoir la tâche? Est-ce que tu veux que je te la mette là au centre? Est-ce que tu veux plutôt que je le mette là entre le noir et le doré? Dis-moi, j'attends ta réponse pour percer.
Oui, donc je disais pour les personnes qui gagnent des cadeaux, si vous avez l'intention, je dis bien l'intention, il ne faut pas pas une obligation. De passer une commande, dites-le nous pour qu'on évite d'envoyer le cadeau, on mettra dans votre colis. Ça nous arrange forcément. À tout à l'heure, Evelyne. Alors, Karine, au centre, s'il te plaît. Donc, entre le noir et le doré. Voilà. Oui, parce que Karine avait gagné... hier, à une question bonus, elle avait gagné un flacon de vernicole. Et elle l'a donné à Wassam et la donne. Parce qu'elle en avait déjà chez elle. Oui, la dame. Oh, je sais, je réponds le petit son. Arrête de parler en même temps que moi. Pardon. Et elle n'en avait pas l'utilité. Donc, elle l'a gentiment offert. Donc, voilà, je lui fais un petit plus. Il ira avec mon porte-clés ouvre-pot peinture anislone. Eh bien, parfait. Voilà. Je te mettrai, je le défrai tout à l'heure pour mettre un petit point de colle pour que ça tienne mieux. Hein. Hop, et un petit anneau doré. Hop, voilà. Et si j'ai le temps, je te promets rien, si j'ai le temps de retrouver des petites breloques dans mes caisses de création de bijoux, je te rajouterai peut-être une petite breloque, mais je ne suis pas sûre. Parce que Charlotte était créatrice de bijoux avant. Elle travaillait entre autres pour la marque Cernit, qui est la même marque que Darby. Voilà, pour la petite histoire. Bon, voilà. J'ai encore du montage à faire, je vais m'éclater. Celui-ci, je le ferai en argent. Tu vois, on peut même faire Val là-haut. V-A-L. Val. Balle, ouais. Il y a un E, bande aussi. C'est vrai. B-A-N-D-E. Ah ouais, voilà, une bande de tissu, hein, j'entends. Bande. Oh. Quoi? Tu joues au Scrabble? Non, au tir à l'arc? Mais non. Mais si, quand tu bandes ta flèche. Oui, aussi. Bah ouais, bah mais faire des bandes au billard. Ah, aussi. Tu joues au billard. Qu'est-ce qu'on peut marquer d'autre? VC. C'est Cathy. Eh, vous savez quoi? C'est ses initiales en plus. Trouvez-moi le plus long mot qui est faisable avec les lettres que l'on a. Allez. J'ai pas beaucoup de voyelles. Mais il n'y en a que deux. Voilà, allez-y. On a toutes les lettres à l'écran? Ouais. Trouvez-moi le mot le plus long qu'on peut faire. En sachant que je peux, moi, après, regarder sur une application. J'ai six. J'ai une application pour le Scrabble. Moi, j'ai six lettres. Allez. Oh, on aurait dû y penser avant, tu vois. On aurait fait les lettres en fonction. Oui. Je suis allée y penser. Je vous laisse le temps de le faire. Moi, je vais... Six lettres, moi, j'ai. Je vais mettre les lettres. Je ne sais plus quoi. Je vais avoir... vos lettres. En utilisant qu'une fois... Ah bah oui. Hein. Donc, Sybille, t'as faux. Hein. Elle a fait parler, il n'y a qu'un air. Fred, pas mal. Ouais, blindé. Il n'y a pas de i. C'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de voyelles. Bandé, bah ouais, c'est facile, c'est fait. Autre que bandé, bien sûr. Hein. 1, 2, 3, 4. Ah, 7 lettres, Justine. Ah. Il n'y a qu'un R, Sybille. Branlé, elle. Clapé. Moi, j'avais ample avec un S, mais il y a 7 lettres plantées. De Justine. Flancher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flancher. Tu as le F, le L. Fais-le. F-L-A-N. F-L-A-N. Là. C'est, y a pas de H. Pas de H. Il n'y a pas de H. Ah, mince, Christine. Ah, bah par contre, je vais mettre un 6 lettres flâné. Oui, mais les 6 lettres, il y en a plein. Mais j'ai tu as eu un 7 lettres? Flambé. C'est qui? F-L-A... C'est moi? Non, mais quelqu'un d'autre qui avait un 7 lettres. Mais non, c'était... ça ne va pas. Ah. Flancher, il n'y a pas de H. Trouvez-moi, j'ai un 7 lettres de possible. Donc, trouvez-moi moi aussi. 7 lettres. Ouais, mais tu l'as donné. Mais ah, je ouais. m'en fous, c'est pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toi que je veux faire gagner. Mais je n'ai pas le droit de jouer. Non. Oh. Allez, je vous... Si crotte. Flasher, flamber, flasher. Non, flasher, on ne peut pas. Pourquoi? Allez, je vous aide, je commence le mot. Français, vampire. Non, il n'y a pas de I. Voilà, je vous commence le mot. Il reste 4 lettres à mettre derrière. Les... Dis rien, toi, tu vas les aider. J'ai déjà mis le début du mot.
Et celui qui trouve, eh ben, si j'ai sa lettre en initiale, je lui ferai son petit porte-clés. C'est ce que vous êtes en train de faire ce matin, en plus. Pour quelques-uns d'entre vous. Ah, chut. Ouais, ouais, j'ai trouvé. Normal, l'a trouvé. Tu ne l'as pas encore en réponse ? Flasher avec un S. Prendre un flash, elle disait. Attends. J'ai pas de H. Il n'y a pas de H. Il n'y a pas de H. Alors, flemmard. Yes. Flemmard, 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 flemmardé. Le premier, c'est qui ? Flemmardé, on ne peut pas, il n'y a qu'un E. Flemmard avec un S, Jean-Luc, il me semble. Alors, attends, il faut que je... Hop, j'arrête, je regarde s'il n'y en avait pas un... Ah non, il y avait un flemmard avec un S. Ah, flemmard avec un S, ben, c'est encore mieux. Je n'avais pas pu mettre voilà. Un S. C'est qui le flemmard avec le S ? Jean-Luc Weiss. Bien. Voilà. Bravo. Ben, bravo, c'est qui Jean-Luc ? Ah, Jean-Luc Weiss. J'ai un J à paillettes roses, si tu veux. Non, mais peut-être si tu veux importer. Et après, Jean-Luc, c'est peut-être pas Jean-Luc, c'est peut-être un compte au nom de monsieur et que c'est madame qui regarde. Dis-moi si tu as une lettre que tu veux, Jean-Luc. Et en sachant qu'il y en a d'autres qui sont là-bas en train de figer. Hein. Alors... Non, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un E. Hein. Donc, flemmard, c'était bien. Et avec un S, c'était parfait, on va dire. Donc, Jean-Luc, si tu es là, dis-nous si tu es un garçon ou une fille. Hein. Oui. Ou si le J te convient, ou si une autre lettre autre que le C. Et puis, il est là ou il n'est pas là? Il y avait des 8 lettres encore. Il y en avait d'autres. Il y avait Clébar. Ah ouais. Il y avait Flandre. Enfin, on y est. C'est nous. Donc j'attends juste la réponse. C'est un homme. Alors, est-ce que le J avec les roses à paillettes, ça te convient? Je pense pas. Après, ça peut être pour offrir à quelqu'un. Oui, si après, enfants, voilà. Dis-nous, on te fera une lettre. Idéalement, dans celles qui sont faites. Oui, bah oui. J'en ai, ou celles qui sont en train de figer. Oui, c'est parfait, le J. Bon, bah écoute. Jean-Luc, on te prépare le J avec les roses à paillettes. Attends, j'en ai pas fait un autre de J un peu plus masculin là-bas. Le J. Sinon, c'est un blanc paillette rose, paillette rouge. Écoute, je te montrerai les deux. Jean-Luc, envoie-nous un message sur la page quand l'autre sera fini. Les Maria deux M. Non, moi, sur, j'ai un truc de triche hein, pour le Scrabble, les gars. Et il me dit que Flemmard, F-L-E-M-A-R-D-S, ça fonctionne. Voilà, nous dans le Scrabble. C'est peut-être pas la même définition que flemmard dans le sens flemmardé, mais ça fonctionne. Voilà, bon Jean-Luc, je te montrerai l'autre J que l'on a fait tout à l'heure, qui est un blanc laiteux avec des paillettes rouges. Voilà, voilà. Bah, le L, c'est pour Léna, donc. Oui. Non, c'est Christine, je pense. Ou... Il y a le L de Luc, Christine. Bon, allez, je te rebascule. Il y a deux N. Ah! Qui n'aime pas faire d'efforts. Oui, mais, ouais, mais je pense qu'il y a une autre. Essaye de l'écrire avec un seul N, il te le refuse? Parce que dans le Scrabble, il l'accepte. Alors, le Scrabble, il merde alors. Hein. Je vous avoue que. Définition est synonyme de flemmard. Avec... Attends, je vais te rebasculer pour l'instant. Hop, voilà. Bon, ça y est, j'ai mis ma petite laine. Hein. Non. Bon, ben bah alors. Bon, bah tant pis, on va faire comme si. Hein. Attends, si, si, moi je l'ai, hein, flemmard. Moi, flemmard, je suis sur un truc de définition et il me le met bien avec un seul M. Personne qui n'aime ne rien faire, cherche à ne rien faire, qui parce aime ne rien faire. Avoir la flemme, il y a deux M, la flemme, avoir la flemme. Moi, il me le prend avec un seul M. Bon. Je l'ai sur plusieurs sites, un dictionnaire. Allez, bon, c'est pas grave, au pire. Hein, au pire, s'il y a une faute, eh ben, on a fait un cadeau à Jean-Luc. Quand je vous montre deux M. Flemmard, vous voyez, personne qui aime ne rien faire, cherche à ne rien faire. Ben c'est comme, excusez-moi pour la grossièreté, hein, comme connasse. Oui. Tu peux l'écrire avec un N ou deux N. Donc, Mais Anna, c'est des doubles connasses, donc il y a deux N. Deux N. Voilà, bon écoutez, j'espère que ce petit live voilà, vous a plu. C'était un petit peu récréatif, on va dire. Bah, ça va être très récréatif de toute façon, là, des lives en folie. Hein. Bah, même là, si c'est... on peut reporter les techniques sur d'autres... Oui. Là, on pense, voilà, petit cadeau de Noël si vous êtes invité ou si vous faites Noël chez vous.
ça peut être sympa marquer les places. Pour chaque personne de mettre un petit porte-clés, voilà, les gens repartent avec. Voilà, moi c'était surtout ça l'idée de vous donner des petites astuces pour faire des petits cadeaux pas trop chers, surtout avec des choses éclatées en même temps, puis et des choses personnalisées. C'est toujours sympa d'offrir quelque chose de personnalisé et de fait maison. En plus, si vous aimez les couleurs si vous connaissez les couleurs qu'aiment vos invités, vous adaptez. La couleur de la table. Ou tous pareils, vous vous embêtez pas. Et puis, la couleur de la table, comme dit Charlotte, ça peut être rouge et doré, qui serait très Noël, ou vert et doré, ou blanc et doré, enfin bref. Et en sachant que le moule est réutilisable à l'infini, donc après, dès que vous avez un petit anniversaire, un petit quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'offrir juste le porte-clés. Si vous avez envie de faire un plus gros cadeau, mais ça peut être le petit plus personnalisé. Pour le cadeau maison. De la maîtresse, vous lui faites son initial au mois de juin, pour la nounou, la tsem. Tout ça. Enfin bref, là on vous laisse faire, vous êtes débordant de créativité et d'idées, donc il faudra nous montrer. Je veux voir. Sur le groupe, s'il y a des gens parmi nous qui ne sont pas encore sur le groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre pour partager vos créations faites avec les produits IBDECO. C'est un groupe IBDECO. Je tiens à le préciser parce que quelquefois, on nous envoie des demandes de parution que l'on refuse parce que ce ne sont pas nos produits. Ou que ça n'a rien à voir avec le relooking de meubles ou le loisir. C'est des choses complètement différentes. Voilà. Exceptionnellement, il arrive que, mais c'est rare qu'on fasse des entorses aux règles. Peut servir de porte-couteau. Très bonne idée. Aussi, très bien. C'est Christine qui dit ça. Vous pouvez avoir au lieu de faire un moule au lieu d'utiliser ce moule-là, vous pouvez prendre des moules que vous avez déjà, ou vous faites une petite garniture, une petite rose, un truc, et vous vous en servez comme porte-couteau, effectivement. Oui, très bien ça. Bonne idée. Voilà. Vous voyez, vous avez des idées. Et on a encore des petites idées, de toute façon, surtout sur le thème Noël. Oh, c'est un tablier, il n'est pas terrible. Sur le thème Noël, à vous montrer. Restez connectés tout le week-end. Fais voir ton côté. On refera tigresse. Mon côté. Ouais. Tu veux faire une boucle d'oreille ? Non, je fais attention, justement. On vous refera un live. Je vais quand même vous spoiler un peu. Mais... Hop là, voilà ça. Ah, tu vas le faire voir déjà ? Non. Ah, mais si, c'est comme tu veux. Après, je me fais rouspéter si je le fais voir. Par exemple, j'ai fait, vous voyez, ce plateau de présentation. Donc, ça, c'est tout en résine. Donc, ça, on vous en parlera. C'est quand celui-ci ? C'est ce soir ? Non, je ne sais plus. Là. C'est dimanche à 14h, on reparlera résine et on démoulera les lettres que l'on a fait. Bah mince. Tout à l'heure, ça ne faisait pas ça. Ah, c'est parce que j'ai mis ça. Il ne faut pas que je mette ça. Non. Tout simplement. Voilà, donc bref, on en reparle à 14h. Voilà, bon, bah, écoutez, en tout cas, nous espérons que cette idée de live vous a plu, cette démonstration. Ah, ça a l'air de leur plaire le plateau. On va pas déroger aux règles. On va faire un petit tirage au sort sur les commentaires du jour. Donc, si vous n'avez pas encore mis de commentaires, n'hésitez pas, c'est maintenant. Si vous n'avez pas encore liké, n'hésitez pas, c'est maintenant. Donc, un petit pouce, un petit cœur, un commentaire, des étoiles, tout ce que vous voulez. Pour faire de l'interaction sur nos lives, ça fait plaisir et ça nous permet de grandir. On se quitte tous, on est encore 48, vous êtes surtout, encore 48 en ligne. On coupe, on se retrouve dans 3 minutes, le temps de mettre en place le... Il y a Caroline qui met commentaire. Je rigolerais que tu gagnes avec ça. De mettre en place le logiciel, tout ça, et on fait un tirage au sort et on vous dit tout dans 3 minutes. Allez, on vous dit à tout bientôt et sinon... Prochain live à 14h. Des bisous. Ciao. Ciao, à tout à l'heure.